Hey Natural Beauties, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne une fois de plus. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc comment est-ce que moi je fais mon soya. Là, vous allez voir que j'ai déjà ma viande de bœuf qui est déjà là. Je les ai découpées et en plus de cela, je les ai lavées et tout. Et là, j'ai un papier cuisine et du papier à l'huile. Du papier à l'huile qui est là et du papier cuisine qui est là, donc j'ai mis les deux et tout sur comment je vais appeler ça, sur un plateau de cuisine. Donc voilà, sans plus tarder, nous allons donc assaisonner tout cela avec du sel et les différentes épices de votre choix. Et voilà. Nous allons donc mélanger tout ceci. Moi, je le fais avec mes doigts. Hein. C'est moi et ma famille qui avons le bébé. Et mes doigts sont propres. Donc, je vais le faire comme ça. Il y a beaucoup d'autres personnes qui n'aiment pas quand on mélange avec les doigts. Donc, vous faites comme vous le voulez. Moi, mes mains sont propres. Je vais le mélanger comme ça. Voilà. Voilà. Parfait. Là, je vais emballer. Comme ça. Et emballer comme ça. Ok, Natural Beauties. Donc, voilà, mon four est préchauffé à 180 degrés. Et je vais donc laisser mariner un tout petit peu et je vais mettre tout cela dans mon four préchauffé à 180 degrés et je vais le laisser cuire à feu doux, donc à la même température, 180 degrés à feu doux. Ça peut prendre au moins 1 heure à 1 h 30 pour que justement tous nos épices puissent bien pénétrer dans la viande. À tout à l'heure. Après donc 45 minutes, notre viande est bien cuite. Nous allons juste venir enlever l'emballage qui est au-dessus et nous allons remettre le tout au four pour que ça puisse encore cuire de manière plus intense avec la coloration en fait. Cette belle coloration du soya, donc c'est ça.
Après donc 5 minutes à 10 minutes maxi, la première partie du soya est déjà bien colorée. Donc nous allons donc retourner l'autre partie pour pouvoir obtenir cette belle coloration du soya et tout ça. Donc cette coloration dorée que nous retrouvons que nous recherchons quand nous faisons du soya, bien évidemment. Donc nous allons retourner cela et après donc nous aurons un soya parfait comme vous le voyez. Mais voilà quoi. Donc ce qui me plaît aussi c'est que c'est le jus en fait, le jus qu'il y en a autour là. Donc j'aime pas trop quand mon soya est sec et je préfère quand il y a un peu de jus. Et voilà quoi. Donc je vais accompagner mon soya avec du plantain mûr que j'ai brisé. En fait, j'ai une vidéo là-dessus où je vous montre comment tu peux briser ton plantain au four. Et je vais aussi accompagner le tout avec des oignons et aussi une petite macédoine à côté. Donc, sur ce, je vous fais des gros, gros, gros bisous. N'hésitez surtout pas à vous abonner, liker et partager la vidéo. On se retrouve dans une très, très, très prochaine vidéo. S'il vous plaît, Natura Beauties, partagez, 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 partagez la vidéo et aidez-moi à toujours garder cette chaîne et aider cette chaîne aussi à grandir. Donc, sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous et